Frère Maxime, bonjour, bienvenue dans Caravane des Saints qui c'est émission qui a porté pour nous. Saint qui a fêté jeudi avec parole pour journée. Jeudi 26 juillet 2023, n'a pas fêté avec les Saint-Anne et Saint-Joachin. Saint-Anne et Saint-Joachin, c'est maman avec papa, la Vierge Marie, la mère de Jésus. Maman nous, grand papa nous. Et nous pas gain en pile information sous la vie Saint Joachin avec Sainte Anne. Seulement nous te connais, c'était deux monde qui étaient mariés. Qui t'ai fait 20 ans que yo pas jamais enfanté. Et un jour pendant que Joachin allait dans temple, gain un dénommé Ruben qui était humilié Joachin, il était dit que li est capable pour créer. Nous connaissons dans période ça dans mitant juif yo de pour fin marier avec une fille ou pas faire petite ou sujet à en pile humiliation et dans mais tout le monde que ce soit fille que ce soit garçon depuis ou marié ou pas faire petite c'est en cours c'était une humiliation ou ce fois coup soufflette à droite soufflette à gauche à parole mon a dit à regard mon a bao donc vraiment Saint Joachin te prend en pile humiliation et c'est peut-être ça le Ruben fin bal humiliation ça yo li te retire tête li l'aller dans désert là fait 40 jours 40 nuits pour lamenter là même dans pied Seigneur pour demander bon Dieu pour bon Dieu bal yon petite mais bon côté parle tout et Saint Anne pas traité indifférente li te descend à la prière tout et te fait même demande là bay bon Dieu pour te demander yon petite. Et bien, prière, ça a été tendu, puisque séparément, yon ange bon Dieu a dit au chaque que yon pral enfanté yon petite. Et c'est comme ça, dimanche, Pâques, non, dimanche des Rameaux, dans ville Saint-Lan, Marie te fête. Cette année, t'es vraiment content, Saint-Joachin tout. Yon te éduqué, li, nan vraiment précepte bon Dieu, yon mené sur yon bon chemin. Si bien que c'était lui-même que bon Dieu t'a choisi pour faire venir maman bon Dieu. Donc c'était en 1481 que pape Sixte IV t'a introduit fête Sainte-Anne dans Brévière là, romain que il t'a fixé date là dans date maman la Vierge Marie Sainte-Anne t'est mourue qui c'était 26 juillet. Saint Joachin lui-même c'est 20 mars t'est mouru mais yo te vini au fil des siècles vin mettre deux monde sa yo ensemble yo fêté yon seul fête pour Sainte Anne avec Saint Joachin le 26 juillet qui c'est jodi a ki n'a fêté avec Saint sa yo. Donc frère Maxime yo c'est Sainte Anne avec Saint Joachin qui a fêté jodi 26 juillet 2023. On nous fait place kounya pour parole bon Dieu ya pour journée. Bienvenue dans Parole pour journée. Nous jouons une première lecture dans le livre Exode, chapitre 7, 16, versets 1 à 5 et versets 9 à 15. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin entre Élim et le Sinaï. Le 15e du jour du deuxième mois après sa sortie du pays d'Égypte dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent, « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir de ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse, « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le sixième jour, quand ils feront le décompte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse ensuite dit à Aaron, « Ordonne toute la communauté des fils d'Israël.
Présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuit. Le Seigneur dit alors à Moïse, « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de caille qui recouvrit le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Manou, ce qui veut dire, qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. N'a médité dans Psaume 77, entre parenthèses 78, versets 18, 19, 23, 24, 25 à 28. N'a répété après chaque strophe, « Le Seigneur donne le pain du ciel. » Ensemble, le Seigneur donne le pain du ciel. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu en demandant, « Dieu peut-il apprêter une table au désert ?» Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les excuses du ciel pour les nourrir et il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il les pourvoit des vivres à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Le Seigneur donne le pain du ciel. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous joignons l'évangile nous en Matthieu 13, chapitre 1 à 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit, en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Max Semio, c'était parole nous pour journée, hein? Que nous te joignons dans livre Exode, chapitre 16. Versets 1 à 5 et puis versets 9 à 15, nous te médité dans Psaume 77, entre parenthèses 78, et nous te joignons l'évangile noir dans Matthieu 13, versets 1 à 9. M'a souhaité tout le monde qui a fêté un anniversaire aujourd'hui, un joyeux anniversaire que la grâce bon Dieu déverse dans la vie nous, et m'a quitté nous avec verset biblique ça pour nous méditer pour journée, qui c'est. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous joignons verset ça dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous connaissons bien gain de foi dans la vie. Jodia, Noël fait noir, on a demandé nous qui ça demain fait. Je dis à nous, nous avons des difficultés, nous avons posé tête nous en pile question.
Mais je dis à m'a quitté nous pour nous méditer avec verset ça pour nous songer que bon Dieu c'est rend par la vie nous, c'est lui même qui source là. C'est lui même qui a veillé sur nous. Pas inquiétez-vous pour demain parce qu'il n'a pas la main bon Dieu. Ou gen seul grain bagaille pour faire c'est faire bon Dieu confiance. Je dis à ces paroles ça moi porter pour fais bon Dieu confiance, pas inquiétez-vous. Pour te charger, pour te faire d'eau, yo, bah, bon Dieu qui est en haut dans le ciel là, et lui-même ni compte qui j'en avais géré. Côté le métier, ou à mettre pas, mais quitte le diriger, pas inquiéter pour demain. C'est sous notre saillot, frère, avec ce mieux, que moi quitte nous aujourd'hui, moi souhaite nous une bonne journée bénie. Merci.